sur cette nouvelle foire aux questions pour ce jeudi 7 octobre 2021. J'espère que vous allez bien. Ça sera en ce qui me concerne la dernière de la semaine, puisque demain soir, à cette heure-là, on sera en plein milieu du Paris Guitar Festival, du Salon des Luthiers, où la chaîne guitare sera bien contente d'être présente euh, bah, pour une nouvelle année euh, supplémentaire, il y a eu bien sûr une coupure pour cause de, de Covid, mais euh, voilà, euh, le Paris Guitar Festival qui normalement se tient au printemps d'ailleurs, hein, mais qui cette année, donc euh, pour les raisons que vous connaissez, se tient donc euh, cet automne. Euh, ça commencera donc euh, demain, et ça c'est bien cool, ça fait hyper plaisir d'être. Euh, à nouveau euh, exposant sur un salon. Je crois bien que la dernière fois, euh, bah, c'était à Issoudun euh, 2019, donc euh, voilà, c'était euh, à une époque euh, plus ou moins bénie, en tout cas qui était pré-pandémie, il n'y a aucun doute. Oui, donc ça doit dater de fin octobre, début novembre 2019. Puisqu'après il y a eu des salons où je me suis déplacé, mais des salons où j'étais exposant, le dernier en date, sauf erreur de ma part, ouais c'est bien ça, c'est celui de Issoudun 2019. Donc voilà, Issoudun 2019 versus Montrouge 2021, et ben voilà, il était quand même plus que, que largement temps de, de à nouveau remettre le couvert. J'utilise ce soir une guitare que vous avez déjà eu l'occasion de, de voir. Euh, c'est la guitare euh, modèle alpha euh, du Luthier. Euh, et pourquoi ça ne marche pas Eh bien, j'ai pas d'image ici, c'est pas bien ça. Ok, on va revenir avec cette caméra. Je ne sais pas pourquoi. La caméra, elle fait dodo. Ok, on va revenir ici. Je ne sais pas pourquoi ça. Désolé, petit problème de, de caméra, et c'est justement parce que je suis en plein euh, déménagement. Euh, enfin pas en plein déménagement, mais je suis en train de préparer les affaires dont j'ai besoin euh, pour le, le Paris Guitar Festival. Et là, il bah, n'y a rien à faire, la caméra ne veut pas passer. Bah c'est pas grave, on va s'en passer donc. Doit y avoir une histoire de, de câble HDMI qui n'est pas euh, branché. Mais au moins, vous entendez ma douce voix. Donc, je disais euh, la guitare euh, modèle alpha du luthier euh, Baptiste euh, Miku. Euh, qui est venu. On est quel jour? On est jeudi. C'était il y a deux jours euh, qu'il est venu. Et il m'a laissé euh, cette guitare. Hein. Voilà. Donc euh, je vais en faire euh, quelques petites notes alors du coup je la trouille maintenant alors j'essaye je vois si se passe par cette caméra euh, si ça fonctionne ça devrait normalement vous devriez être capable de voir euh, le euh, l'Iridium euh, que, que j'utilise voilà ça fonctionne et donc oui c'est ça, je, pourquoi euh, je suis en train de déménager, donc je ne suis pas du tout en train de déménager euh, d'ailleurs, euh, mais pourquoi euh, j'ai pas tout à fait la config habituelle c'est parce que euh, donc je serai à Montrouge euh, à partir de, de demain 16h pour l'ouverture du, du salon et euh, bah, j'ai fait un petit peu mes, mes bagages, euh, Kakemono les flyers etc et mon écran de contrôle euh, bah, je vais l'emmener avec moi, donc il est Déjà tout emballé il est sur le côté ici donc du coup j'ai pas tout à fait le, le, le setup que j'ai euh, en général et donc j'ai cette superbe guitare avec moi euh, et que je vais faire sonner donc euh, avec le avec le avec euh, l'iridium ok ça vous va Il que je révise un petit peu plus ce, ce morceau si je veux le jouer correctement. C'est un morceau qui s'appelle Pick Up Da Funk, euh, qui est un guitariste, euh, qui est une composition pardon, de, de Jean-Michel euh, cachedan. Je vous dis donc bonsoir à tous et à toutes, donc bonsoir Olivier, je vais répondre à ta question dans une petite seconde. Et je dis bonsoir à Pascal. Mis, qui me demande tout de suite euh, qu'est-ce que j'ai mis comme Slackback et bien c'est un petit écho, euh, une pédale de chez Love Pedal qui s'appelle l'Echo Baby. Euh, qui est toute petite. Euh, là, je ne peux pas vous la montrer, parce que là en dessous, c'est un petit peu compliqué, euh, tout ça. Mais je vais vous montrer tout de suite une, une photo. Euh, c'est la Eco Baby de chez euh, Love Pedal. Voilà. C'est euh, cette... Euh, euh, la pédale voilà qui est ici avec un seul bouton. Donc euh, voilà, euh, super facile du coup euh, à régler. Et là elle est réglée euh, à peine à 9h du coup, ce qui donne ce, ce son de, de slapback qui fonctionne super bien pour jouer des, des musiques un peu style, euh, style comme ça. Euh. Enfin, C'est un peu le son de Jean-Michel Cajon. Jean-Michel Cajedon il a très très souvent un slapback. Et ça Fonctionne euh, super bien et il y a aussi une petite réverbe stéréo qui est ajoutée, <coughs> pardon, une réverbe Hall qui est ajoutée dans le euh, sur, la, sur la console. Voilà, alors Olivier me demande qui est-ce que j'ai fait comme euh, interview de guitariste manouche. Alors je on va aller tout de suite sur le, le site web de, de la chaîne guitare. Et euh, voilà, si tout se passe bien, vous devriez le, le voir euh, à l'écran. Alors, le dernier que j'ai fait en date, c'est Fanu Toracinta, un guitariste d'origine euh, corse, qui est venu ici pour présenter son dernier album. C'était franchement un, un chouette euh, moment. Il euh, y a eu aussi euh, Samuel Strook, alors qui n'est pas que purement manouche, mais euh, quand même euh, qui sait jouer ça euh, très bien. Antoine Boyer, qu'on ne présente plus. Euh, Raphaël Feis. Uh, Angelo euh, de Bar. là il y a aussi des, des, les, le luthier Martin Tremblay qui est aussi un excellent euh, guitariste d'ailleurs et il y a aussi euh, Adrien Moignard alors là il ressort pas dans cette euh, recherche parce que là je suis en train de faire une recherche euh, par rapport au terme euh, Manouche et euh, Adrien quand il est venu euh, il est venu avec euh, pour parler de son album euh, jazz plutôt électrique qui s'appelle euh, Bright Up, je crois quelque chose comme ça, où il joue sur une Gibson euh, L5. Mais il est hyper connu euh, pour ça. J'ai fait aussi euh, Stéphane Vrambel, Voilà, ça, ça a été une des méga rencontres euh, que j'avais faites à, à Montréal. Donc euh, voilà, grand, 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 grand monsieur de la guitare euh, que j'ai interviewé deux fois d'ailleurs. Et c'était justement dans l'atelier de euh, de Martin Tremblay à Montréal pendant le, le, le festival de, de jazz. Voilà, voilà. <coughs> de quoi je voulais vous parler aujourd'hui Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, euh, c'est le moment, c'est l'instant. Encore une fois, c'est le dernier live de la semaine, puisque demain soir, je serai à, à Montrouge au Paris Guitar Festival. Euh, donc j'aurai un stand. Pour moi, les, être présent sur les stands comme ça, c'est franchement euh, un, un régal parce que c'est toujours un, un bonheur que d'aller à la rencontre des... Des, bah, des passionnés de, de guitare qui viennent euh, euh, voir un peu ce qui se passe, voir les, les belles guitares de, de luthier euh, et compagnie donc j'y à un stand, j'en profite évidemment lâchement pour faire quelques interviews euh, euh, voir aussi ce qui se profile en termes de, de, de guitare, voilà ce que, nous, ce que les luthiers ont à nous, nous proposer donc euh, honnêtement euh, vous êtes obligé de venir si vous êtes un tant soit peu passionné de guitare et je pense que c'est le cas puisque vous êtes en train de, de regarder euh, ce live, d'accord? Donc je compte absolument euh, sur vous, ok? Ah, oh, Baptiste, regarde, Baptiste, j'ai ressorti euh, la guitare que tu m'as amené euh, cette semaine, et donc je sais pas si tu as entendu, mais là. Je l'ai fait sonner avec un petit peu la Nobel's ODR1, donc la Natural Overdrive. Et je suis avec l'Iridium qui est réglé très en son clair. Hein. Si j'enlève le slapback et puis l'ODR1, ça donne ça. Avec le slapback, ça fait ça. Là je suis sur le P90 et avec la Nobel's ODR1, ça nous rajoute juste le petit bout de Graou euh, qui sonne terriblement bien, je trouve. you mm -hmm. Tout à fait, super son. Euh, merci Baptiste. Écoute, je suis content que tu apprécies euh, ta guitare et surtout que tu apprécies les, les petites notes que je peux faire avec. Alors, effectivement, euh, Olivier, le, la Nobel ODA 1 euh, c'est un des secrets bien gardés. Enfin, c'est plus tellement un secret maintenant, hein, mais de. Tous les guitaristes de Nashville en avaient sur leur pédale board. Alors là, moi, la version que j'ai, c'est pas la version euh, d'origine. Hein, c'est une version à 90 balles achetée sur, sur Amazon. Mais honnêtement, qui fonctionne très très bien. Donc, euh, nous, guitaristes, on est euh, d'indécrotables snob. Il hein, faut le reconnaître. Moi, je le reconnais en tout cas. Mais euh, faut aussi admettre que quand il y a des pédales comme ça qui valent euh, pas grand-chose, entre guillemets... Eh bien, il faut le dire euh, aussi. Alors, euh, aucune idée, encore une fois, comment la, cette Nobels ODR1 euh, récente se compare versus euh, les, celles euh, d'origine qui sont sur les, les pédaliers des, des, des kékés de, de session de Nashville. Hein. Tom Bukovac, c'est un grand fan de la Nobel euh, ODR1. Alors, Phil Dom me demande sur YouTube est-ce que j'ai une opinion à propos de l'ampli Hook Wizard Alors, je vois ce que tu veux dire, je vais aller faire un petit coup de Google. Alors, le Amp Hook Wizard, j'en ai, ai regardé une vidéo, je pense, de Paul Davids. Euh, C'est un ampli à lampe, je pense qu'on devrait le voir à l'écran si ça se charge. Euh, voilà, normalement vous devez le voir et non plus arrêter de voir l'iridium. Comme j'ai pas l'écran de contrôle, je ne fais pas toujours euh, gaffe. Euh, donc voilà, c'est ça le, le hook hein, dont tu parles, le, le Wizard, et qui n'est pas donné, hein, je crois, je ne sais plus à combien le, le prix. Ouais, on est à 2800 euros, donc près de 3000 euros. Donc c'est un ampli à lampe, mais euh, complètement programmable et pilotable en, en midi, euh, qui a l'air euh, assez redoutable. Moi j'ai vu, voilà, le, le test de Paul David, là c'est le monsieur qu'on qu voit actuellement, euh, qui a l'air, euh, ça a l'air super bien. Après, à 3000 euros, il peut être bien un hein, lampli. Hein, je trouve ça commence à piquer euh, sérieusement. Hein. Sachant qu'on peut trouver des amplis, boutiques, euh, tout à lampe, tout, tout câblé comme il faut à la main, etc., pour euh, euh, 1500 euros, en tout cas en France, etc. Là, euh, presque, le, presque le double. Euh, ça, ça pique un peu. Mais euh, voilà, je pense que tous les potards sont motorisés, euh, etc. Ça a l'air d'être une, une machine de guerre. Et quand on regarde la vidéo de, de Paul Davids, euh, ça, sonne, ça sonne super bien donc euh, je pense que je pense que c'est bien mais euh, je ne sais pas si j'aurai un jour l'occasion de, de jouer ce, ce genre d'ampli mais c'est pas nouveau hein. enfin c'est pas nouveau il y a déjà eu dans le passé des, des fabricants qui ont essayé de, de motoriser comme ça des, des amplis euh, bon, ça, ça fonctionne. Après, il y a forcément un temps de latence, hein, parce qu'il faut quand même euh, que le, 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 le potard tourne, euh, etc. Mais encore une fois, euh, allez écouter, moi, c'était la vidéo de Paul Davids hein, que j'ai vue sur YouTube, qui est un gros YouTuber, hein, c'est un, un mec des Pays-Bas, je crois. Enfin, il, il YouTube, il, il diffuse en anglais, et ses vidéos sont vachement bien. Le mec, il joue à mort hein, aussi, il hein, faut dire. Donc euh, voilà, je, je serais curieux de l'entendre en vrai, l'ampli. Après, euh, euh, c'est vraiment une question de... De philosophie, quoi. Est-ce qu'on a besoin d'un ampli euh, qui est capable de changer de son comme ça Maintenant, on est plus dans la tendance, mais c'est une mode après qui peut changer, où on a un, un... enfin, on est plus dans la tendance des amplis mono-canal, deux, deux canaux à la limite, et puis on fait le reste du son, soit avec des boosts, soit avec des overdrive euh, dedans. Mais euh, voilà, à la limite, si cet ampli euh, il sonne aussi bien qu'il sonne sur la vidéo, honnêtement, euh... Euh, voilà. Après 3000 balles, euh, ça pique, euh, ça pique drôlement quand même. Hein. Je voulais vous parler de quoi aujourd'hui Je voulais vous parler d'un grand événement. Je vous en avais déjà parlé euh, hier et j'ai pas fini de vous rabasser euh, les oreilles avec ça, bien sûr. C'est le lancement de la chaîne stream. Voilà, j'ai développé une certaine expertise pour, euh, euh, pour, euh, pour streamer, hein, que ce soit ici depuis le showroom ou quand je suis en déplacement. Par exemple, ce week-end, quand je serai à Montrouge, ben, je vais streamer avec mon, mon téléphone, avec mon micro-cravate, etc. Et donc, ben, j'ai mis en place un, un site web qui se trouve à l'adresse, c'est super original, lachainestream.com. Et euh, pour diffuser des formations. Euh, de, il y a déjà une vingtaine de, de vidéos qui sont qui sont publiées où, euh, ben, je dis, ben, comment connecter une caméra euh, à votre ordinateur, comment avoir un bon son avec le micro, comment le régler, euh, comment faire du stream depuis votre téléphone euh, sur YouTube, sur Facebook, etc. Enfin, voilà. Et euh, ça fonctionne via une page qui est sur Patreon avec un abonnement donc c'est 8 euros hors taxes par mois pour accéder à la totalité du, du contenu donc euh, voilà je suis hyper content de, de démarrer officiellement ce, ce, ce projet euh, voilà vous voyez toutes les, les, les contributions que j'ai déjà mis en ligne aujourd'hui euh, enfin pas aujourd'hui mais en tout cas jusqu'à aujourd'hui il y en aura encore d'autres dans le dans, dans l'avenir parce qu'il y a évidemment beaucoup de, de, de sujets à couvrir. Ouvrir. Et euh, l'idée, encore une fois, c'est de partager l'expertise le, que j'ai accumulée en, depuis quelques centaines d'émissions que je fais comme ça en live. Et c'est aussi. Euh, alors, ça, c'est destiné à qui C'est destiné à tous les internautes qui veulent streamer sur Internet avec une belle qualité de vidéo, une belle qualité de de son euh, et en particulier pour les, les musiciens euh, voilà parce qu'aujourd'hui tous les musiciens ou à peu près tous sont quand même plutôt bien équipés en termes de, de matériel pour avoir euh, de, de l'enregistrement faire l'enregistrement en, ter en termes de home studio et compagnie euh, parfois ils, ils, ils pichent pas très bien encore comment il faut faire pour avoir et la vidéo et le son en même temps et que ça fonctionne correctement alors pris séparément c'est pas très compliqué faire de la vidéo c'est pas très compliqué Faire du son, c'est pas très compliqué. Euh, euh, avoir un accès internet, c'est pas très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de mettre tout ça ensemble. Et c'est ça un peu le, le, le secret, en tout cas les trucs et astuces qu'il y a derrière le, le streaming. Et honnêtement, moi j'en peux plus euh, de voir des, des artistes parfois incroyables euh, qui font des streams uniquement depuis leur téléphone, comme ça où on entend le. La réverbe de la pièce, parce que leur ampli est derrière eux, évidemment, et que euh, ces petits téléphones-là, qui marchent très très bien pour la vidéo, euh, pour le son, ils sont faits pour capter le son qui est à 5 cm de votre bouche, et non pas un ampli qui est à 2 mètres. Et là, le, le micro de votre téléphone, qui soit euh, iPhone, Android, d'ailleurs, hein, tous sont à peu près à la même école là-dessus. Encore une fois, il fonctionne très bien quand la source est très proche du micro, mais quand l'ampli il est à 2-3 mètres, euh, même assez proche, hein, il va capter quand même beaucoup la, la réverbe de la pièce, même si euh, vous ne vivez pas dans une cathédrale ou vous enregistrez pas euh, dans votre salle de bain. Hein, ça, il y a. Il n'y a aucun doute par rapport à ça. Donc voilà, il y a ça et plein de choses. Donc euh, je suis fier comme un bar tabac d'avoir démarré euh, la chaîne stream.com. Donc euh, faites le savoir. Euh, voilà, j'ai fait un post sur Facebook. Euh, Allez-y, repartagez, commentez. Euh, je suis là évidemment pour répondre à, à toutes vos questions. J'ai encore beaucoup de, de vidéos que je, je veux mettre en ligne parce qu'il y a beaucoup de, de sujets à aborder. Il y aura évidemment des streams euh, réservés euh, aux abonnés de la chaîne Stream pour aborder des sujets spécifiques et puis aussi bah, pour faire des démonstrations de, de, de matos. Euh, voilà, hein, c'est quand même un peu la moindre des choses de parler de stream que d'avoir des streams aussi euh, réservés euh, aux, aux abonnés. Voilà donc très content euh, de montrer ça et très content bah, du, du feedback que j'ai eu euh, jusqu'à présent puisque euh, j'ai eu euh, beaucoup beaucoup d'encouragement et encore une fois il y a euh, déjà une vingtaine de, de vidéos qui sont en ligne euh, et l'idée c'est que ça soit des choses qui soient assez courtes. Donc euh, c'est des vidéos qui font 5-10 minutes pour adresser un point spécifique, comment on connecte en HDMI, euh, euh, quelles sont les différentes interfaces qui sont disponibles, comment est-ce qu'on fait pour euh, diffuser sur YouTube. Et etc. C'est quelque chose de... comme ça, on peut éventuellement euh, accéder, enfin euh, profiter de la chaîne stream euh, à différents euh, niveaux sans avoir euh, besoin de se coltiner, je sais pas quoi, les 15 premières vidéos pour apprendre quelque chose sur la 16e. Si c'est juste, euh, la, je sais pas, la, la diffusion via OBS euh, sur YouTube qui vous intéresse, eh bien, euh, vous pouvez accéder directement euh, à la capsule de, de cette manière-là. Voilà, donc euh, très content de démarrer ça et puis euh, bah voilà, de partager un peu de trucs et astuces euh, à ce niveau-là. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on lève la session? Parce que là vous avez l'air un petit peu calme ce soir. Comment est-ce que ça se fait? Donc cette guitare, oui, je ne vous ai pas montré la. Je ne vous ai pas montré la, la page euh, Facebook de, de Baptiste, qui est d'ailleurs dans, dans la chatroom. Donc là, voilà la page Facebook de, de Baptiste. Il n'a pas encore de site web, mais ça ne serait tardé. Le voilà, le beau, euh, le beau Baptiste. Euh, et euh, bah, donc voilà, euh, donc, tout en noyer, corps et puis euh, manche en noyer sur cette guitare. Micro SP Custom, diapason de 25 pouces, euh, volume, tonalité. Sélecteur trois positions, c'est tout. Pas de split. Moi, ça me va très bien et euh, mange touche en touche en palissandre. Et euh, ce dessin, je trouve honnêtement euh, plutôt d'inspiration Les Paul, mais bon, c'est juste parce que c'est single cut. Après, c'est reste un manche vissé. Au niveau essence de bois, c'est pas de la cajou, c'est du noyer. Il euh, y a une forme un peu offset. Ce petit chanfrein que je trouve non seulement terriblement sexy, mais terriblement confortable. Euh, voilà, et vous pouvez mettre le nez dessus, le fretage est vraiment euh, superbe. Moi, je suis très fan, et pour la très, très modique somme de 2200 euros. Hein, c'est ça, hein, ce que tu m'as dit, Baptiste, hein, quand tu es venu l'autre jour, hein, que je dise pas de, de bêtises. Et euh, bah, écoute, je suis, quand es en train de, tu me dis euh, que je t'ai convaincu pour la prise de son. Alors, c'est vrai que c'est une de mes... Euh, un de mes chevaux, un de mes chevals, comment on dit ça? Enfin, bref, un des trucs que je répète sans arrêt, c'est de, que les, c'est honnêtement très facile de faire de la prise de son correcte maintenant, que ça soit avec des petites bois-boîtes comme l'Iridium ou si vous avez déjà un ampli, un SM57 devant, un câble XLR, une petite interface IK, IK multimédia aéric prêt. Et hop, roulez jeunesse, vous pouvez connecter ça sur votre ordinateur, sur votre téléphone et avoir des vidéos qui fonctionnent euh, très très bien avec un, un super euh, super beau son. Et j'ai même fait un article là-dessus sur la chaîne guitare. Hein, Donc vous cherchez SM57 euh, prise de son euh, sur la chaîne guitare. Vous savez quoi on va, aller, on va aller le chercher ensemble pour la peine. Regardez, on va chercher SM57. Euh, Uh, iRig, puisque c'est le nom de, de l'interface. Oui, peut-être que je vous montre ce que je suis en train de faire, sinon ça ne va pas marcher. Voilà. Euh, voilà, c'est donc, je vous dis, hein, quand je vous dis que c'est un de mes chevals de, de bataille, arrêtez avec les démos filmées avec un smartphone et comment y remédier. Voilà. Donc dans cet article, je vous montre bah, comment utiliser des, du matos euh, extrêmement simple, euh, un micro, un câble XLR, peut-être du matos que vous avez déjà, et avec une petite interface euh, toute simple. Voilà, donc ça, ça fonctionne euh, nickel. Donc il y a eu cette, cette vidéo et j'en ai fait d'autres. Alors ça marche évidemment pour les, les électriques, mais aussi pour les acoustiques. L'autre dont euh, quel je faisais référence, c'était celle-là, donc avec l'Aeric Pre HD de Ik Multimedia, qui vaut euh, une centaine d'euros, je crois, quoi, un peu moins que ça. Et avec euh, donc un micro SM57, un câble euh, XLR, voilà. Vous voyez tout le setup ici. Et de l'autre côté, avec euh, le petit connecteur qui est ici, vous pouvez connecter ça à votre téléphone. Et vous avez un son euh, terrible et j'en ai fait la, la démonstration ce, dans, dans cet article. Donc honnêtement, euh, en 2021, il n'y a plus de raison de ne pas avoir du, du joli son de, de, de guitare dans, dans, dans ce que vous faites. Dans ce que vous voulez euh, poster, que ce soit pour vous filmer vous, euh, montrer du matériel que vous avez, que vous fabriquez, etc. Alors Gérard, une petite question. Alors je, je lis ça. Alors, quelle différence y a-t-il entre une Les Paul haut de gamme Epiphone et une Les Paul bas de gamme Gibson Entre les deux, laquelle conseillerais-tu Ouais, alors ça, voilà une, une question euh, euh, un peu délicate. Comment dire je, euh, Alors, sauf... Euh, euh, on va déjà parler de, de provenance, parce que sauf... À moins, si je me trompe, je ne crois pas qu'il y ait d'Epiphone américaine. Enfin, plus maintenant, alors peut-être... Euh, dans du custom shop, dans des rééditions, etc. Mais je pense que de base, euh, mais don't quote me on this, comme on dit en anglais, euh, je pense que toutes les Epiphone sont forcément euh, euh, de la guitare d'importation, enfin, je, par rapport aux États-Unis, donc pas de la guitare euh, américaine. Je ne pense pas me tromper par rapport à ça. Donc voilà. Donc, c'est plutôt pour adresser le début de gamme, etc. Là où Gibson est plutôt pour couvrir le haut de gamme. Maintenant, effectivement, euh, alors je ne connais pas les gammes Epiphone par cœur, hein, mais. Il se peut très bien qu'entre la plus chère de chez Epiphone et la moins chère de chez euh, Les Paul, il euh, y ait un petit peu de recouvrement. Mais c'est probablement pas le même style de, de guitare. Donc, euh, chez, en tout cas sur les Les Paul par exemple, les moins chers de chez Gibson, euh, je pense que ça doit être les Les Paul Studio. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui existe encore. Hein. On va faire un petit coup de Google, on va voir ce que ça nous, nous sort. Euh, et ce sont les voilà, ce sont les, les guitares. Alors, je vois 1400 euros. Voilà. Euh, et les guitares, les Les Paul Studio par exemple, ce sont des guitares, le corps est en, en acajou, euh, mais il n'y a pas de table rapportée euh, dessus. Donc il se peut très bien qu'il y ait des épiphones avec euh, corps en acajou et table en, en érable, euh, donc du coup qui ont euh, une guitare entre guillemets meilleure, mais en fait c'est juste que vous comparez des choses qui sont un petit peu différentes en termes de, de, de fabrication. Après, je pense la question, elle est plus enfin euh, en termes de entre une Epiphone haut de gamme et puis le bas de de chez Gibson, euh, une studio va pas tout à fait sonner comme une vraie Gibson Les Paul avec une table en érable, etc. Ça y a aucun doute, mais mécaniquement c'est impossible. Est-ce que ça se rapproche euh, très probablement Voilà. Après, il y en a que ça gêne euh, de voir marquer Epiphone en haut d'une guitare qui ressemble à une Les Paul. Euh, moi, je fais partie de cela dans le sens où j'aime bien euh, la signature Epiphone, qui est une signature euh, légendaire, hein, qui existe depuis. Même à une époque, Epiphone était plus haut de gamme que Gibson. Et puis après, Gibson a racheté Epiphone et puis en a fait une sous marque. Alors qu'à une époque, euh, dans les archtop les Epiphone archtop étaient euh, meilleurs que les, 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 les Gibson. Pour en tout cas, le positionnement en termes de, de gamme. C'est après par la suite que ça s'est un peu inversé. Et nous, maintenant en 2021, quand on pense à Epiphone, on pense sous-marque, alors que ça a été une marque à part entière. Donc voilà, une, tout ça pour dire qu'une Les Paul avec une tête un petit peu différente, avec marqué Epiphone, je trouve ça toujours un peu bizarre. Alors qu'une Epiphone, moi j'en ai une ici d'Epiphone, c'est une ES339. Alors qui est. Euh, une guitare à l'origine de chez euh, un format de chez euh, de, de chez Les Paul, hein, mais avec cette tête qui est une tête emblématique qu'on retrouve sur les, les épiphones euh, Casino bien euh, bien connus pour avoir été euh, utilisés par les, les Beatles en particulier par un, par John Lennon. Donc moi ce look-là, le look le, la forme ES avec une tête Epiphone. Euh, euh, pour moi, ça marche puisque ça fait partie des, des codes de la, de la guitare classique, euh, de la guitare électrique euh, telle, telle qu'on la connaît. Alors que la Les Paul, bah, c'est plutôt la, la guitare avec la tête en open book, euh, comme, on dit, euh, comme on dit dans les milieux bien, bien autorisés. Voilà, après, euh, au final, il euh, faut essayer et puis voilà. Euh, euh, si tu as envie d'avoir la signature Gibson en haut de la tête de ton manche, il n'y a rien qui remplacera ça, il n'y a rien qui te satisfera de, de la même manière. Donc euh, voilà, après, euh, si l'équation économique c'est compliqué, euh, euh, ce qu'il y a de bien sur le marché de la, la Les Paul le Gibson, c'est qu'il y en a énormément sur le marché. Donc euh, je conseille moi beaucoup d'aller voir euh, au niveau de l'occasion, que ce soit dans les petites annonces. Euh, ou Dans les, dans les magasins euh, style Bass and guitares qui ont pas mal d'occasions de, et des, des, chouettes, euh, des chouettes choses. Alors, effectivement, Michael, au Japon, les Epiphones ont une tête open book, mais euh, c'est des guitares Epiphones qu'on ne retrouve pas en France. Elles ne sont pas importées pour des histoires de, je ne sais pas, de, je ne sais pas si c'est de copyright puisque c'est la même maison, mais en tout cas, ce pas des guitares. Tu ne trouves pas d'Epiphones avec des têtes open book, que ce soit les Lespo, les, les G en France. Hein. Alors, euh, bonsoir Sébastien. Et Nicolas me pose une question. Laurent Rousseau sera à Montrouge. Et ben voilà une excellente nouvelle. Et je devrais réussir à le croiser. Eh ben, écoute, euh, bien, écoute, je, j'espère bien. Je ne savais pas. J'ai eu un très bon contact euh, quand j'ai fait une interview avec lui euh, l'an dernier, euh, Laurent Rousseau. On a bien accroché. C'était bien cool. Alors, c'était à distance. Mais euh, j'aurais évidemment mes, ma petite euh, caméra avec moi. Euh, la petite caméra que j'utilise toujours, enfin, en tout cas, depuis deux ans maintenant, euh, pour faire les, les reportages. Pour faire le, les reportages en type euh, vidéo blogging. Donc, euh, vous pouvez me faire confiance que si je vois euh, Laurent Rousseau, euh, je lui sauterai dessus euh, pour, euh, pour faire une, une, mini, euh, une mini interview. Parce que je ne l'ai jamais rencontré en vrai. Et moi, je suis hyper fan de ce qu'il fait. Hein. Laurent Rousseau, euh, la minute utile du musicien. Et il a une approche pédagogique euh, bien à lui, bien particulière. Euh, voilà, qui est vraiment, qui est vraiment cool et euh, qui apporte de la valeur, qui se la pète pas, qui, euh, qui vous vend pas euh, oui, euh, devenez le meilleur guitariste du monde en 10 leçons, ou euh, les trois plans qui vont faire de vous une rockstar, enfin bon les trucs dont, dont YouTube est un peu euh, truffé. Euh, Laurent, il vous donne vraiment des, des clés, des choses à travailler, et euh, ça je trouve ça, ça fonctionne vachement bien. Alors Sébastien Tritz, est-ce qu'il y a un tuto sur le site concernant le chaînage des pédales Alors non, je n'ai pas fait de, de spécifiquement de, de vidéos de matos qui parlent de, de chaînage. Ça serait une idée. Après, euh, c'est un sujet sur lequel on trouve énormément de, de littérature. Hein. Probablement, enfin de littérature, quand je dis littérature, c'est au sens aussi vidéo. Hein, sur YouTube. Euh, euh, pédal chain, tiens, on va aller faire un petit tour. Allons faire un petit test, voir si je vais sur YouTube. Je vais l'essayer en français, je vous montre mon écran, sinon ça ne va pas servir à grand chose. Et on va taper chaînage euh, pédale guitare. Ça nous dit quoi Hop Voilà, pédale board, comment brancher ces pédales d'effet. Alors guitare plug and play, je ne le connais pas. Voilà, Palf, ils ont fait une vidéo euh, là-dessus. Je branche comment Honnêtement, il y a beaucoup de... Beaucoup de déjà de littérature et là je suis en train de, de chercher en, en français hein. donc honnêtement euh, ça doit être euh, assez facile enfin en tout cas il y a beaucoup c'est un sujet qui a été euh, traité en, en long en large et en travers et euh, qui devrait pas être très compliqué pour trouver euh, euh, des réponses euh, là-dessus euh, alors c'est vrai que je pourrais euh, moins faire mon petit euh, mon petit grain de sel euh, là-dessus mais comme c'est un sujet qui est visiblement bien traité, euh, voilà. Après, en général, on met plutôt tout ce qui est overdrive, saturation en début de chaîne. Ensuite, euh, la Wawa tout au début. La fuzz en général aussi tout au début, parce qu'elle n'aime pas des fois avoir des buffers en amont. Donc ça serait plutôt, euh, on va dire, fuzz, après euh, euh, Wawa, la cordeur pour être un peu importe, on s'en fout, puisque quand normalement quand il est désactivé, il ne touche pas le son. Ensuite, euh, les drives. Ensuite, tout ce qui est euh, modulation euh, et compagnie. Et puis ensuite, vous branchez ça dans l'ampli. Alors après, si votre ampli est lui-même euh, crunch, à ce moment-là, euh, tout ce qui est en effet de, de modulation, reverb, delay, euh, euh, bah, il faut les mettre dans la, plutôt dans la boucle d'effet. Euh, de l'ampli si vous s'il y en a une euh, sinon euh, vous... enfin ça peut fonctionner hein, parce que sur des vieux Marshall on peut mettre un délai devant Van Halen ils faisait ça il mettait tout devant ils s'emmerdait pas avec des boucles d'effet ça marchait très bien donc euh, voilà, mais euh, si vous avez beaucoup de gains sur votre ampli, un délai euh, que vous mettez en face avant, euh, en amont d'un ampli, euh, ça peut euh, mettre un peu le bordel parce que votre ampli va se mettre à saturer non seulement votre signal de guitare, mais aussi les répétitions. Donc du coup, ça fait quelque chose qui n'est pas, hein, pas très clean. Mais euh, le vrai juge de paix, ce sont euh, vos oreilles. Donc. Là, ce que je viens de vous dire sur le chaînage des, des, sur le chaînage des, des, des pédales, euh, tout ce que vous voyez ici là, sur les, les chaînages, les, les vidéos qui vous recommandent des, des chaînages, euh, prenez ça comme des, des bases de, de départ en fait. Hein, parce que euh, au final, il n'y a rien absolument rien qui vous empêche de, de mettre toutes les pédales, de mettre le délai en premier puis la fuzz euh, tout à la fin. Euh, si ça sonne à vos oreilles que vous faites de la musique avec ça, More power to you et puis euh, c'est très bien euh, comme ça et il euh, n'y a rien à casser voilà vous pouvez pas euh, endommager une pédale euh, parce que vous la pardon parce que vous la mettez en premier plutôt qu'en dernier il y a aucun problème euh, avec ça donc voilà je sais pas enfin j'ai une réponse un petit peu de de, de Normand là mais le, le chaînage des, des, des pédales honnêtement euh, euh, voilà il y, y a des règles de départ Faites euh, ce qui vous inspire. Euh, des fous furieux de la, de la pédale, hein, les, les The Edge de YouTube ou Adrian Bilou euh, ou euh, Andy Summers, euh, voilà, euh, qui utilisaient beaucoup de pédales dans tous les sens. En ce moment on est en plein dans l'ère du, du shoegazing où on peut faire du, du son en très texturé avec des pédales très compliquées et compagnie. Là au niveau chaînage, je peux vous dire que ça y va dans, dans tous les sens. Donc voilà, faites-vous plaisir avec vos oreilles. Après, si vous voulez des sons classiques, c'est plutôt comme ça. Drive, compresseur au début, euh, après euh, les effets de, de modulation euh, et ensuite euh, dans l'ampli euh, plutôt, en, plutôt en son clean. Et encore une fois, si vous voulez mettre des, des reverbs, des modulations sur un ampli saturé, alors soit il euh, y a une boucle d'effet dans l'ampli, qui se situe entre la section de puissance euh, de pré-ampli et la section de puissance, ou alors en utilisant des, des bois-boîtes externes, style Waza, euh, euh, Amp Expander, choses comme ça, qui ajoutent une, une boucle d'effet à un ampli euh, existant. Vaste sujet. Voilà voilà, est-ce que j'ai raté des questions Non, je crois que je crois que tout est là, tout est dit. Moi ouais, je pense que oui. Donc en tout cas, euh, bah écoutez, je vous donne rendez-vous donc à Montrouge, euh, mairie de Montrouge, métro mairie de Montrouge euh, ce week-end. Moi j'y serai à partir de en début d'après-midi demain pour l'installation. Donc euh, 16h l'ouverture euh, officielle du, du salon. Euh, 16h à 20h demain vendredi, samedi je regarde mes notes de 11h à 20h et dimanche de 11h à 18h. Voilà, donc plein de, de temps. Il euh, n'y a pas vraiment de meilleure ou de moins bonne période pour venir. Évidemment en début de salon c'est plus calme, donc voilà, euh, le, le créneau en général autour de 11h midi euh, c'est bien parce que c'est l'ouverture, c'est un peu tranquille. Euh, voilà, souvent dans l'après-midi il y a un pic où les gens euh, sortent du resto où ils ont fini le gigot chez la belle-mère, donc ils, ils viennent. Euh, puis des fois c'est un peu plus creux dans l'après-midi, donc euh, voilà. En tout cas, y a, y a il de... y aura plein de beaux monde, non seulement votre serviteur qui sera là, mais beaucoup de musiciens qui seront là. Il y aura des concerts de démos, ça, ça fait partie du salon. L'entrée du salon est payante, c'est 5 euros. Mais honnêtement, ça les vaut euh, largement. Et puis, il y a les concerts du soir. Donc, euh, Cassie Martin et euh, donc, euh, euh, Sylvain Luc et euh, Biréli Lagrenne euh, demain soir. Samedi soir, j'ai le programme par en tête, c'est Richard Bonnat. Et dimanche soir, c'est Dick Angarn qui fait la, la clôture du, du salon. Donc, je fais que le rabâcher, mais je vais le redire encore euh, ce soir. C'est la dernière fois, puisqu'après, euh, ça sera le salon lui-même. Euh, si vous êtes passionné de, de guitare euh, et de musique d'ailleurs, euh, ben, euh, viens faire un tour à Montrouge euh, demain soir ou samedi et dimanche. Ça vaut largement le coup. Et bien sûr, vous êtes obligé de passer sur le, le stand de la, la chaîne guitare. Ça sera l'occasion bah, qu'on se salue, voilà, qu'on discute chiffon. Si vous voulez vous abonner, je ferai même une promotion spéciale salon. L'abonnement sera à 80 euros au lieu de, de 120 euros, j'ai mon terminal de paiement. Pour prendre vos cartes de crédit sans problème. Ok On fait comme ça. Et puis, donc, si vous voulez apprendre à streamer comme un méga professionnel, euh, eh bien, euh, la chaîne stream.com. J'ai mis une petite vidéo de présentation, donc vous pouvez aller les voir. Euh, voilà, je vous raconte un peu de, de quoi ça parle. Et puis, euh, ensuite, c'est l'abonnement sur la, 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 sur la page euh, Patreon. C'est par là que ça va se passer. Voilà, allez, je te souhaite à toi aussi une bonne soirée, euh, Baptiste. Donc voilà, Baptiste Mikou. Allez, encore un petit coup de pub, parce qu'on n'est pas des bêtes quand même. Euh, voilà, Baptiste qui a fabriqué cette excellente euh, guitare qui me plaît bien avec un micro-manche euh, SP Custom P90 et un humbucker en bridge. Voilà, c'est joli, c'est beau et ça sonne terriblement. Et même la tête est très élégante. Voilà, donc. Messieurs, dames de la bonne cam. Sur ces bonnes paroles, je vous fais des gros bisous. Continuez à bien écouter de la musique, à faire bien de la guitare. Si vous, si on se voit pas à Montrouge au week-end, eh bien euh, c'est bien dommage. Peut-être vous êtes occupé ou juste euh, trop loin. Sinon, eh bien vous pouvez compter sur moi euh, ben, pour euh, discuter chiffon avec vous le, le week-end. Et euh, de toute façon, euh, chaque soir, je posterai un vlog, donc un reportage complet euh, de ce qui s'est passé dans, dans la journée. Donc dès demain soir, Alors, ça sera peut-être un peu tard dans la, dans la soirée, peut-être tôt euh, samedi matin, mais vous aurez le, le reportage complet de, de l'événement. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous fais des grosses bises et je vous dis euh, bon, pour le prochain live, ça sera donc euh, lundi soir à 19h. Allez, ciao, je vous souhaite donc en avance un bon week-end. Bye bye.